Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. Je sais que vous allez très bien. Eh bien, ici, c'est comme d'habitude. Vous le savez très bien, c'est en mode lover. Je vous love, love, love. Je vous adore. Mes bouts de chou. Voilà, c'est ça. Eh bien, ici, je reçois toutes vos bénédictions aussi. Merci pour toutes vos prières. Merci pour vos écrits, vos commentaires. Ça me fait beaucoup, 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 énormément du bien. Je vous envoie plein de lumière depuis là où vous êtes et surtout du courage à tous ceux qui sont dans des traversées difficiles. Eh bien, ici, ça y est, on y est. Donc, restez vraiment calés. Et puis, sachez que, en fait, on est en train de fermer un cycle douloureux pour partir vers un cycle beaucoup plus harmonieux. Et moi, j'aimerais vraiment vous voir dans ce rang-là avec moi. Et surtout, donc, ne découragez pas, persévérez et restez déterminés. D'accord? Alors, si tu n'as pas encore suivi la guidance de la triangulaire du 16 au 30 prochain de ce mois, ben, je t'invite à vraiment aller la suivre parce qu'elle est déjà en ligne. En tout cas, il y a des messages assez forts là-bas qui vous attendent. Ben voilà, nous allons donc juste continuer très très rapidement. Désormais, j'ai décidé en tout cas de vous faire des enseignements une fois par semaine, je dirais, mais ça sera sur ma seconde page, Chantal Labriante. Si tu n'es pas encore abonné à ma seconde page, je t'invite hein, parce que c'est une page en réalité qui annonce vraiment des choses qui arrivent et qui seront formidables. Et pour que tu ne rates pas ça, je t'invite déjà à aller t'abonner à cette page, d'accord? Voilà, c'est bien nommé Chantal Labriante. Donc, du coup, tu peux juste taper sur ton écran Chantal Labriante dans YouTube et tu verras, je vais m'afficher Coach Chantal Labriante et puis tu t'abonnes, tout simplement. Comme ça, les autres fois, tu reçois bien sûr les vidéos. Donc, chaque semaine va porter son thème, d'accord? Voilà. C'est ce que le monde divin m'a dit, hein, d'accord? Donc, du coup, on m'a demandé ici de ce que chaque semaine, on va vous enseigner sur un thème, d'accord? Un thème, ouais, quoi, ça dépendra, d'accord, du thème qui vous parlera. Mais chaque thème va avoir beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de détails et grâce à ces détails, vous allez recevoir des délivrances. Vous voyez, grâce à ces enseignements-là, vous serez délivrés. Parce que ce que vous n'avez pas compris, on va vous les faire comprendre. Et au cours de ces enseignements, va aussi avoir des guérisons, des séances de guérison, d'accord? Donc, il y aura des miracles également au cours de ces enseignements. Je compte commencer pratiquement la semaine prochaine. Néanmoins, cette semaine, on me parle de la priorité comme vraiment thème de la semaine. Et je verrai bien, dès que j'ai un bout de temps, je pourrai vous le faire cette semaine. Dans le cas contraire, nous allons démarrer carrément la semaine prochaine. Il faut d'ailleurs t'abonner d'abord et comme ça, dès que ça commence, tu pourras avoir la notification. Alors, donc du coup, ici, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne ici et que tu viens d'arriver, sois la bienvenue. Alors, j'ai quelque chose de particulier pour toi à la fin de cette guidance. On m'a dit ici qu'il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce pour vous, mes amours. On m'a dit qu'il y a une très bonne nouvelle qui est en train de s'annoncer pour vous. Mais ici, on m'a dit que c'est signe par signe, d'accord? En fait, tout le monde ne va pas recevoir la nouvelle au même moment. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, du coup, ici, parce que ici, on va vous donner la date exacte à laquelle cette nouvelle-là arrive vers vous, d'accord? Et ici, ça sera signe par signe. Chaque signe aura à connaître la date à laquelle cette bonne nouvelle arrive vers lui. Et puis en même temps, vous saurez en réalité la date exacte à laquelle la nouvelle arrive et quelle est la nouvelle qui s'annonce là pour vous. Et là, vous saurez comment vous comporter, d'accord? Donc ici, avant qu'on ne passe à ce stade-là, nous allons aller prendre très rapidement d'abord le message que, bien sûr, le monde céleste a pour vous. Bien sûr, avec l'oracle sacré destiné. Voilà. Regardez, pendant que j'en parle,
Qu'est-ce que je vous ai dit, mes amours? On vous dit qu'il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce pour vous. Et pendant que j'en parle, il y a de l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce pour vous. Les choses vont vraiment changer en positif. Il y a des choses qui vont fleurir ici dans votre vie. On me dit que vous avez semé des choses. Et puis, vous avez pris du temps, d'accord, de souffrir au bas de ces choses afin de pouvoir prendre soin. Et pendant que vous étiez en train de prendre soin, c'était tellement difficile pour vous. Parce que là, c'était le moment où vous devriez laisser tomber certaines choses. Vous devriez abandonner certaines personnes. Vous devriez changer de camp. Vous devriez accepter traverser certains obstacles les plus difficiles de votre vie. C'était vraiment les moments pénibles de votre vie. Parce qu'en fait, il fallait que en fait, vous preniez soin, d'accord, de toutes ces choses que vous avez semées afin que ça puisse vraiment se fructifier pour que vous en récoltiez. Et là, maintenant, on est en train de vous dire bravo parce que vous avez fait énormément d'efforts et voilà, ça y est, la récolte, elle est enfin là. La récolte, elle est enfin là. Donc, du coup, ici, ce que vous avez pris le temps, d'accord, sur lequel vous avez pris le temps de veiller, voilà, ça y est, ça a fleuri, ça commence par fleurir. Et quand ça fleurit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récolter. Donc, ici, vous êtes en train d'aller vers une très belle récompense de la part de l'univers pour vous, grâce à vos efforts, grâce à ces parcours assez difficiles, assez douloureux dans lesquels l'univers a pu, en tout cas, vous mettre et que vous, vous avez pu supporter. Vous avez pu prouver à l'univers que vous étiez déterminé. Vous avez pu prouver ici à Dieu que vous êtes partante et que vous êtes décidée vraiment, vous voyez, à changer cette situation dans votre vie. Et vous n'êtes pas resté à vous décourager ou à maudire ou à mal fonctionner. Non, mais vous avez subi, vous avez traversé et ça y est, l'heure a sonné. Il y a des personnes ici, on me dit que actuellement vous avez 52 ans. On me dit que actuellement vous avez 52 ans et vous avez commencé ces batailles depuis très très longtemps. Pour d'autres depuis que vous avez 10 ans, pour d'autres depuis que vous avez 20 ans, pour d'autres depuis que vous avez 18 ans, on me dit. Et donc, du coup, on vous dit que oui, la bataille, elle a été lourde et très longue. Et là, maintenant, ça y est, l'heure a sonné. Ce que tu attendais le plus, c'est le moment où ça vient. C'est le moment où c'est là. D'accord? Donc, du coup, tu vas arrêter enfin de te plaindre. Pour d'autres personnes ici, on me dit que vous avez 25 ans. Vous avez 25 ans, mais ce que vous avez appris de cette vie dépasse quelqu'un qui a 60 ans. Vous avez 25 ans, mais votre âme a déjà 90 ans. Parce que vous avez tellement appris, vous avez tellement eu de l'expérience, d'accord? Que ça y est, très très jeune comme ça, la situation va changer et sera très positive pour vous et ça va s'améliorer pour vous. Pour d'autres personnes ici, votre nom, d'accord? La première lettre de votre nom, c'est A. Hein, première lettre de votre nom, c'est A. On vous dit à toutes ces personnes-là, il y a une très grande bénédiction qui est en train de s'annoncer pour vous. Très, très grande bénédiction qui est en train de s'annoncer pour vous. Il y a eu des... Je ne voulais pas prendre toute la carte, hein, mais on exige, hein, d'accord? Mais bon, ok, d'accord. Alors, le moment est là, vous allez vous envoler. Vous allez vous envoler, voilà, votre soleil qui est en train de se lever. Et puis voilà, finalement, vous allez pouvoir en tout cas surmonter ces obstacles-là. En tout cas, vous étiez resté derrière ces obstacles-là tout ce temps à chercher à vraiment faire renverser cet obstacle pour pouvoir passer. Mais là, maintenant, l'univers vient vous donner des ailes pour pouvoir vous envoler. Maintenant, vous êtes en train de partir pour vous envoler et pour traverser cet obstacle-là. A dit que cet obstacle ne sera plus une barrière pour vous. Et là, cet obstacle non plus ne sera pas toujours là encore dans votre vie. Parce que si cet obstacle reste, vous serez toujours là en train de vous battre contre cet obstacle. Parce qu'il faut que vous vous avancez. Et pour pouvoir vous avancer, cet obstacle est venu se poser comme une barrière pour vous. Ça peut être le père de vos enfants, cet obstacle-là. Ça peut être votre âme sœur, cet obstacle-là.
Ça peut être vos propres enfants, cet obstacle-là. Ça peut être vos ennemis, cet obstacle-là. Ça peut être vous-même, cet obstacle-là, parce que vous avez encore des choses ici à changer, à jeter. Il y a des choses, des attitudes, des comportements que vous devriez abandonner, que vous n'avez pas pu abandonner. Et que, en fait, c'est difficile, c'est douloureux pour vous et vous étiez encore là, encore et encore et encore. Ça peut être toujours vous, cet obstacle, parce que vous avez commis certains péchés dans votre vie. Et vous n'avez pas eu vraiment le temps de trouver la bonne personne qui peut vraiment vous dire la vérité pour vous dire oui, en fait, ton problème, ce n'est pas ta tante, ton problème, ce n'est pas ton oncle, mais ton problème, c'est toi-même. Parce que tu as eu à commettre tes péchés dans ta vie. Tu as eu, en tout cas, ici, tu vois, a connu certaines iniquités dans ta vie. Tu as eu à être en fait ici, comment dire, dû d'oreille à l'univers, hein, parce que ici, il y a des personnes qui sont en pleine punition. Vous êtes de la lumière, mais vous êtes en pleine punition par l'univers parce que vous avez refusé de répondre à votre mission de vie. D'accord? Et l'univers s'est permis de vous mettre dans la punition, vous a livré entre les mains du diable qui n'arrête pas de vous combattre juste en fait. L'univers ne permet pas au diable de toucher à vos cheveux. Mais il lui permet de vous pousser à bout juste pour voir si vous allez lâcher prise, si vous allez finalement accepter votre mission de vie. Vous voyez ce que je dis? Et ça fait que vous êtes en train de traverser des moments, vraiment les pires moments de votre vie et vous n'arrêtez pas d'accuser l'univers. Mais écoutez, on vous voit très bien, on sait très bien ce que vous traversez et donc du coup, c'est parce qu'on a permis que cela vous arrive. Vous voyez ce que je dis? Donc, il y a des personnes comme ça, par exemple. Il y a d'autres personnes ici, vous êtes suivis par des malédictions. Des malédictions. Ça va vous parler ici de la transgénérationnelle. D'accord? Des malédictions qui viennent directement de vos parents. Pour d'autres ici, à votre jeune âge, votre mère, vous voyez, vous a tellement maudit dans sa colère, ou c'est votre père qui vous a tellement maudit, ou ici, vous avez eu des situations et la marâtre, je sais pas, c'est elle qui vous a jeté, en tout cas, des malédictions sur vous. Vous savez, il y a des personnes, en fait, qui ont une certaine bénédiction et qui savent pas l'utiliser. Et parce que cette personne te maudit seulement, ça y est, hein, tu trimbales ça toute ta vie. Hein, tu vois ce que j'ai dit? Donc, du coup, voilà quoi, on a eu en tout cas te maudit et c'est resté accroché à toi. Ça fait que tu traverses tous ces moments difficiles que tu traverses là actuellement, d'accord? Donc ici, ça peut être n'importe quel type d'obstacle ici qui est comme une barrière pour toi depuis très longtemps, d'accord? Pour d'autres personnes, vous n'avez pas pu vous débloquer de la situation parce que vous n'êtes pas parti vous rapprocher d'une personne du domaine qui puisse vraiment vous libérer de ça. Vous voyez, parce que là, on me dit que vous avez besoin d'une libération. Pour d'autres personnes, vous avez besoin d'une libération de traitement, d'accord? Il y a des traitements ici. Pour d'autres personnes, il y a des bains. Il y a des bains que vous allez faire, de déblocage, d'accord? Et vous savez, c'est comme ce que je vous dis souvent, le bain de chaque personne reste unique, d'accord? Le bain que vous voyez un peu partout, que vous voyez que oui, vous pouvez aussi faire, vous pouvez faire, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, ce n'est pas toutes les signes qui ont les mêmes manières de faire les bains. C'est pas possible. Tu vas le faire, ça pourra encore même empirer ta situation. Ça va encore te bloquer en plus. Alors que quelqu'un d'autre va le faire, ça va lui marcher facilement. Donc, c'est toujours bien de se rapprocher d'une personne spécialiste du domaine, d'accord? Pour que la personne vraiment puisse vous orienter. Et comme je le dis souvent, si tu me choisis, n'hésite pas à me contacter. Je reste ouverte 24 heures sur 24 pour tous vos traitements spirituels. D'accord? Vos bains, vos traitements, vos assistances, vos accompagnements et tout simplement, les travaux et tout, hein? Les voyances et tout. Donc, du coup, ici, l'univers vient vous dire, ça y est, j'ai compris, hein? J'ai compris, je t'ai observé, je t'ai étudié, je t'ai analysé tout ce temps. Et là, maintenant, j'ai constaté que oui, tu es une personne fiable en qui je peux placer ma confiance. Et comme c'est ça, alors là, je viens te donner des ailes. Je viens vraiment te donner des ailes pour te faire t'envoler. Pour pouvoir, en tout cas, te permettre ici, tu vois,
d'aller vers d'autres destinations, pour que tu puisses maintenant aller vers vraiment ta mission. Paf, c'est bon, hein. On te sort de cet obstacle-là. On te sort de cette situation-là. Donc, du coup, pour que tu puisses reconnaître que oui, on t'a sorti de cette situation, on t'a sorti de cet obstacle-là. C'est-à-dire que tu vas constater que oui, en cet temps-ci, peut-être que l'univers va te placer sur le chemin d'un guide ou d'une guide qui va vraiment, en tout cas, t'assister au maximum. D'accord? Qui va t'aider, qui va t'apporter le soutien qu'il faut, ou bien si on va placer quelqu'un sur ton chemin qui va vraiment t'assister, ou on va te guider vers quelqu'un, on va te guider vers une personne spirituelle ou un médium, ou en tout cas écoutez beaucoup plus vos cœurs pour voir vers qui l'on vous guide, et ne luttez pas contre ça. Si on vous dit je te guide vers telle personne, ne luttez pas contre, allez-y. Tout simplement, c'est parce qu'on a déjà préparé le terrain là-bas pour vous. C'est parce que le terrain est déjà prêt là-bas pour vous que l'on vous dit maintenant, ça y est. Et donc, du coup, parce qu'on vous donne, en tout cas, les ailes de vous envoler maintenant, ça y est, on vous dit, maintenant, vous allez aller vous retrouver de façon relaxée, tranquille, vers votre destinée. Maintenant, vous êtes en train de partir, d'accord ? Pour aller vous retrouver au calme, pour aller vous retrouver tranquille. Et le fait que vous partez, hein, d'accord, le fait que vous envolez maintenant vers votre mission, ici, l'on vous demande de prendre du temps pour vous, d'accord. Maintenant que vous sortez de tous ces mouvements un peu difficiles, de tous ces moments un peu tracassantes, c'est normal que vous soyez relâchés, hein. Il est temps maintenant, vous voyez, de vous ressourcer, de prendre une pause, de retrouver votre bien-être tout en étant dans votre soleil, hein, d'accord? Donc, du coup, c'est dit que vous êtes tranquille et tout vient vers vous. Tout vient vers vous. Ça vient de commencer, hein, ça va commencer. Et chacun de vous, vous saurez maintenant à quelle date précisément ça va commencer pour chacun, d'accord? Donc, c'est en train de commencer. Ça y est, open, on ouvre la porte pour vous, ça y est. Il est temps que vous partez, en tout cas, saisir des opportunités pour vous. Ça y est, la porte est ouverte. Ça y est, faites confiance à votre intuition. Ça y est, c'est la lune. Oui, en tout cas, c'est dit qu'on va beaucoup vous jalouser parce que vous avez pu réussir à vous envoler. Vous avez pu réussir à sortir ou à trouver, en tout cas, une porte de sortie par rapport à tous ces obstacles, par rapport à toutes ces attaques. On va vraiment vous en vouloir énormément. On va continuer encore à tenter des choses contre vous, mais juste que tellement vous êtes protégés que regardez comment vous êtes protégés avec ce joli cercle de votre soleil. Vous êtes uniquement seul dans votre soleil à bénéficier de ça, à en profiter en étant très très relax, en faisant tout ce que vous avez envie de faire tranquillement relax, et peu importe ce que l'on va vous envoyer à nouveau, lorsque ça vient, ça tape tout simplement le sec et ça repart. Donc du coup, retour à l'envoyeur. Tout ce qui tenteront désormais, ça sera retour à l'envoyeur. Et vous resterez dans votre sec enfermé, protégé, tranquillement, tout simplement. Donc l'heure a sonné pour l'univers, ça y est. On ouvre la porte, ça y est. Et puis on vous permet d'aller saisir des opportunités venant de tout part, de tous les sens. Ici, il y a la nouvelle lune, d'accord, qui s'annonce, qui va apporter beaucoup, beaucoup d'ouverture, beaucoup de paix, bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. On me dit ici, dans le ciel, on est toutes contentes pour vous parce que vous avez pu vraiment, en tout cas ici, y arriver. Hein, d'accord? Ça n'a pas été du tout facile. On a pu vous assister par tous les voies et moyens afin que vous y arriviez. Et aujourd'hui, ça y est, hop, on est content, on est fiers de vous et tout le ciel vous applaudit. Et puis voilà, vous êtes en tout cas ici dans de bonnes mains. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en plus, hein, si ce n'est pas vraiment être fier, être heureux. Tout simplement, on vous dit quand même ici que la lune qui revient deux fois, donc ici, c'est que faites-vous confiance, croyez en vous et continuez à avancer, mais faites très attention encore et encore à toutes ces personnes qui vous entourent parce que il y aura beaucoup de personnes qui seront hypocrites.
tout simplement autour de vous, parce que c'est des personnes qui vont envier votre soleil, qui vont envier, d'accord, cette bénédiction dans laquelle vous êtes en train de rentrer. Pour d'autres personnes, vous allez vous rendre compte finalement de votre don. Vous allez vous rendre, vous allez détecter ici, vous voyez, qui vous êtes réellement et vers quoi vous partez réellement. Et cela va chambouler votre vie, hein. Cela va changer votre situation. En tout cas, pour plusieurs personnes ici, vous allez retrouver votre calme, votre bien-être. Vous saurez désormais c'est quoi votre mission, vous saurez désormais comment vous orienter. Je vois une personne qui sait tout désormais et qui est tranquille. Tu vois, je sais tout, mais je suis tranquille. Je ne dis rien à personne, tu vois. Et puis, je vous laisse vous agiter. Hein. Et puis, voilà, je sais que voilà, je suis tranquille, je suis protégée. Et même dans ta protection, beaucoup de bénédictions. En tout cas, tout simplement pour vous, mes amours, qu'est-ce que vous voulez en plus? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une jolie bénédiction. Regardez-moi ça. Comment vous êtes entouré. Vous êtes bien entouré par les anges, par tout ce qui peut être jovial, protection. Ici, vous voyez, il y a cette jolie colombe qui vous représente et qui vous dit ici qu'on est venu changer votre nom. On est venu changer votre situation. Regardez, comment dire, ces nuages, hein, toutes blanches qui viennent de part et d'autre pour vous souligner combien de fois vous êtes protégé, combien de fois vous êtes assisté. Et vous allez vous retrouver ici, vous voyez, dans une ambiance parfaitement bien qui vous convient. Vous pouvez vous retrouver un peu seul, hein, pour d'autres personnes, hein, pendant un moment, peut-être même dans une solitude, pourquoi pas, ou bien si vous aurez envie, voilà, d'être un peu seul pendant un moment, même si vous êtes en couple ou même si vous êtes en famille. En tout cas, cela va vous faire du bien parce que ici, on est en train de partir pour vous donner en tout cas un lieu. Pour d'autres personnes, une maison. Si c'est que vous êtes en train d'attendre, en tout cas, un nouvel logement. Si pour d'autres personnes ici, vous voulez vraiment déménager et que depuis très longtemps, vous êtes en train de prier l'univers, allez, ça y est. Hein. Pour d'autres personnes, on va vous bénir. Vous-même, vous allez avoir votre propre toit, d'accord. Pour d'autres personnes, on va vous bénir. Vous allez avoir, vous serez la dirigeante ou bien le dirigeant de votre propre boîte, hein, d'accord. Vous allez en tout cas pouvoir mettre en place votre propre projet et vous serez responsable de ce projet-là. Voyez, et c'est un projet en tout cas qui vous allez vous retrouver dans votre univers, d'accord, dans ce projet-là. Vous allez vous sentir parfaitement bien dans ce projet-là et il y aura pas mal de personnes qui vont se diriger vers vous. On voit que c'est un projet où c'est une réalisation ou une concrétisation qui vous sera très très bénéfique. Pour d'autres personnes ici, vous allez avancer à deux. D'accord. Ouais, en fait, tu vas te rendre compte, hein, de cette bénédiction-là que l'on a pu t'apporter. Certes, relâche tranquille, mais ici, en évoluant, tu vas devoir ici avancer avec ton âme sœur, d'accord, avec la personne qui t'est destinée. Mais toujours est-il que toi, tu as un de plus avec cette personne. On trouve ici que, tu vois, c'est toi qui oriente cette personne, c'est toi qui guide cette personne. Parce que, regarde, parce que ta bénédiction t'accompagne. D'accord, donc c'est toi qui es l'éclairage de cette personne et tu es très bien entouré, tu vois ce que je dis, on veille bien sur toi, on t'assiste bien, mais écoute, cette personne est comme toi, c'est comme si vous ressemblez, vous êtes des âmes sœurs. Donc ici, on te dit que en évoluant, il y a une personne ici qui vient vers toi, avec qui vous allez avancer ensemble, avec qui vous allez construire ensemble, avec qui vous allez réaliser ensemble. D'accord? Et on me parle en tout cas d'une très belle protection. C'est pour vous dire que votre relation est protégée. Avec cette personne, vous êtes très, très protégé. Et en fait, c'est une réalisation au complet. En tout cas, on me parle d'une base très solide. Hein, d'accord? Ça peut être une personne que tu connais déjà, avec qui tu es déjà et tout. Hein, d'accord? Ou ça peut être une personne qui s'annonce là. Mais regarde, en tout cas, il y a une très grande protection sur vous.
En tout cas, on a voulu que ça soit avec cette personne et peut-être que votre mission est à deux, tout simplement. D'accord? Pourquoi pas? En tout cas, ici, il y a des délivrances, pour surtout pour ceux qui ont pu faire les purifications, parce que là, on est en un temps de purification, on vous demande de vous purifier. D'accord? Et si tu ne sais pas comment te purifier, n'hésite pas, bien sûr, à te rapprocher de moi, ça te fera du bien, ça c'est important. Voilà, donc du coup, mes amours, ça y est, l'on vous sort finalement de l'ombre pour la lumière et pour aller goûter à votre soleil. Ça y est, vous allez vous sentir débloqué. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous allez faire confiance, d'accord? Parce que ici, vous aurez pas mal d'hypocrites autour de vous qui n'arrêteront pas de toujours tenter encore, encore et encore. Mais vous, pendant tout ce temps, vous êtes tranquille, en train d'évoluer, en train de réussir. Et ce qui marche bien dans tout ça, c'est qu'on va vous faire accompagner d'une personne aussi qui sera comme vous. Et comme on dit souvent, chose promise, chose dure. Ça y est, nous sommes partis ici pour que je puisse aller vous prendre le message que l'on a pour vous à travers moi. D'accord? Alors, de façon générale, qu'est-ce qui arrive comme bonne nouvelle pour vous? De façon générale. Alors là, on reste dans le général. Ce qui arrive comme bonne nouvelle pour vous. Alors, dans le général, ce qui arrive ici pour vous comme bonne nouvelle, c'est que il y a une personne qu'on est en train d'envoyer ici dans votre vie, d'accord, que vous ne voyez pas forcément venir. Pour d'autres personnes, vous connaissez la personne hein, et vous soupçonnez la personne. Pour d'autres personnes, vous êtes même déjà en couple avec cette personne, d'accord. Pour d'autres, vous êtes même en relation peut-être hein, avec cette personne. Mais ici, on me parle quand même ici d'une personne qui vient là dans votre vie et qui va apporter un changement dans votre vie. D'accord? Ici, vous avez certaines attitudes, certains comportements, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains fonctionnements qui ne sont pas les bonnes. Cette personne va vous aider en tout cas à vous laver de ces choses-là. D'accord? Ça peut être vite fait ça. Ça peut être c'est vous qui va aider cette personne à se libérer de certaines choses qui sont toxiques. En tout cas, on me parle de ce que ici, il y a quelque chose de toxique en vous. Il y a quelque chose de toxique en vous qui sera libéré. Soit vous êtes sorti de certaines relations qui ont fait que vous êtes parti avec certaines blessures qui, au jour d'aujourd'hui, sont des handicaps pour vous et qui ne vous permettent vraiment pas de vous positionner avec d'autres personnes. Vous voyez ce que je dis? Ou soit ici, il y a cette notion de ce que vous avez été touché par des envoûtements, par des mauvais sorts et vous n'arrivez vraiment pas à vous débarrasser de cela. D'accord? Mais l'arrivée de cette personne va vous ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses ou bien c'est quelqu'un qui va pouvoir vous apporter un appui, une aide à pouvoir vous débarrasser de ces choses-là. C'est une personne qui peut vous ouvrir les yeux même sur certaines personnes autour de vous, même sur votre propre famille ou bien même sur certaines personnes. C'est une personne qui, dans ses propos, tu vas te rendre compte que non, mais écoute, j'étais dans tel danger. Tu vois ce que je dis? Voilà. Mais ici, la personne c'est qui arrive, là, même pas quand même d'une personne. Une personne qui est un cœur pur, une personne qui, en tout cas, n'a Dieu que pour vous. Une personne qui est concentrée sur vous et qui vient vraiment vous chercher pour que vous partez ensemble. Vous voyez, c'est ça. Et puis tout cela qui était de mauvaise énergie vis-à-vis de vous, qui vous en voulait, qui était vraiment jaloux, qui voulait vraiment vous dévorer, en tout cas, ils seront éloignés de vous. Ils seront vraiment éloignés de vous. Et cette autre personne aussi qui est en train de venir vers vous, c'est quelqu'un aussi qui est espionné par d'autres personnes déjà, tu vois. Et là, on est en train d'épargner aussi de sa vie ces personnes par qui cet autre-là est espionné. Vous voyez, donc du coup, toutes ces personnes aussi vont lui coller la paix, d'accord? Pour que, en tout cas, ça puisse se faire. C'est cette bonne nouvelle qui arrive de façon générale. Maintenant, nous allons passer de signe en signe, comme je vous l'ai promis. Très rapidement ici, je vais aller chercher. Voilà, ici, ces deux cartes qui m'appellent, bien sûr, pour vous. Voilà, ça sera, bien sûr, comme je l'ai dit, de signe en signe. On va aller voir ce que je peux vous prendre. Alors, ça va commencer très rapidement avec les Gémeaux. D'accord?
avec les Gémeaux. Allez, ça y est. Avec les signes Gémeaux. C'est bon? Alors, si tu es Gémeaux, quelle bonne nouvelle s'annonce pour toi? On va aller prendre ça. On va aller prendre ça. Quelle bonne nouvelle s'annonce là pour toi si tu es signe Gémeaux? Je vais aller te prendre la bonne nouvelle qui s'annonce pour toi d'ici bientôt dont on te parle. Le soleil, regarde-moi ça, c'est Gémeaux. Oh, les Gémeaux, vous êtes comblés de joie. Vous êtes comblés d'abondance. Vous êtes comblés de bonheur. Ici, votre soleil est en train de s'élever. Il y a la chance qui vient frapper à ta porte. Il y a quelque chose, regarde-moi ça, très positif. Hein? On te dit que c'est très positif. Oh, les signes Gémeaux, en tout cas, moi, je suis toute contente pour vous. Il y a quelque chose ici qui arrive. Vous allez finalement récolter le fruit de vos durs labeurs, on dirait. Donc ici, mes amours Gémeaux, waouh, regardez-moi ça, il y a l'union qui s'annonce pour vous, il y a la concrétisation qui s'annonce pour vous. Vous pouvez être tranquille désormais. Ici, on vient vous faire de belles propositions, de belles déclarations d'amour. Ici, on vient vous accorder une belle signature de contrat. Ici, il y a un travail qui s'annonce pour vous, il y a une opportunité, il y a de la chance. En tout cas, ici, votre soleil s'élève, mes amours Gémeaux. Ici, ça sera à quelle date précisément pour que vous puissiez vraiment vous y attendre très, très, très rapidement. D'accord, le 6 décembre, d'accord, le 6 décembre pour vous, mes amours Gémeaux. Donc, à compter de maintenant jusqu'en décembre prochain, vos peines sont terminées, les moments difficiles s'arrêtent et vous allez finalement rentrer dans votre gloire. C'est magnifique, c'est beau, c'est magnifique, tout simplement, d'accord. Ici, signe Verseau. Alors, les Verseaux, comment est-ce que vous pouvez vous retrouver? Nous sommes partis ici. Qu'est-ce qui s'annonce ici au Verseau? Quelle bonne nouvelle arrive ici au Verseau? Qu'est-ce que vous devriez savoir, mes chers amis Verseaux? Qu'est-ce qui s'annonce très prochainement pour vous? Alors, ici, mes amis Verseaux, très prochainement, ce qui s'annonce pour vous est qu'on vient vous dire qu'il y a un défunt pratiquement qui vient vous protéger. Il y a un ancêtre ici qui vient vous protéger. Il y a ici quelqu'un en tout cas qui veille sur vous depuis là-haut et qui va en tout cas renforcer votre protection afin que vous soyez dans de bonnes mains. D'accord? Et donc du coup, attendez, je prends le second message. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ici, on vient juste vous dire, mes très amours Verseaux, qu'en fait, ici, on va vraiment s'accrocher à vous, hein, d'accord? Il y a ce défunt qui va vraiment s'accrocher à vous pour vous élever. Pour vous élever, pour vous protéger contre toutes ces ennemis-là. On va renforcer votre protection, votre bulle de protection surtout, et vous serez éloigné de tout danger, d'accord? Ici, on va... c'est comme le message qu'on a reçu. C'est comme si on va vous donner des ailes pour vous envoler de certaines situations qui ne vous conviennent plus, d'accord? Et on va aller vous préparer un lieu. C'est comme si ce lieu est déjà préparé pour vous. On va aller vous faire déposer dans ce lieu. Donc ici, mes chers amis Verseaux, il peut y avoir un voyage qui s'annonce pour vous, d'accord? Il peut y avoir un changement de lieu, il peut y avoir un changement de pays, un changement de destinée, de destination pour d'autres personnes. Vous serez surpris en tout cas, d'accord? Ici, l'objectif, c'est que l'on veut prendre soin de vous et voilà quoi, voilà, c'est ça. Parce que là, en tout cas, vous êtes en train de traverser vraiment assez de questionnements, assez de difficultés. On voit ici qu'il y a trop de soucis. En tout cas, on voit que vous avez vraiment des moments un peu très difficiles et qui ne vous permettent pas en tout cas d'avancer ou d'évoluer. Lui. D'accord? Il y a quelque chose ici qui vous retient, qui vous bloque. Et il y a une situation qui veut vraiment vous retarder et vous empêcher d'évoluer. D'accord, mes amours Verseau? Et on va quand même, ouais, il y a une personne, hein, d'accord? Il y a une personne ici qui vous bloque, hein, mes amours Verseau. Il y a une personne ici qui vous bloque. Pour d'autres personnes, ça peut être ton mari. Pour d'autres personnes, ça peut être ton ex. Pour d'autres, c'est ton père. Pour d'autres, c'est peut-être...
c'était ton grand-père qui ne vit plus, mais qui avait quand même posé des actes qui aujourd'hui, ces actes-là, te rattrapent toi. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc ici, il y a carrément une énergie masculine ici qui vous coince, qui vous bloque, qui va chercher à vous créer des ennuis, qui va chercher en tout cas à vous coincer. Vous voyez ce que je dis? On parle quand même ici d'une énergie masculine. Vous voyez, cette énergie-là veut vraiment vous bloquer. Hein? Vous voyez, veut vraiment vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Hein? Et c'est une personne, en tout cas ici, qui va mettre tout en œuvre, hein, d'accord? C'est une personne qui a tout planifié contre vous. Tout planifié contre vous pour ne pas que ça puisse vraiment se faire, pour que vous n'y arrivez pas, pour que vous ne réussissez pas. Et ça peut être une personne qui vous attaque, même pas de la magie, non, d'accord? Et c'est une personne qui veut vraiment vous empêcher de vivre votre bonheur et de réussir votre vie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet ancêtre-là vient rapidement, le plus rapidement que possible, vous protéger. Vous, voilà, c'est la bonne chance, c'est la bonne nouvelle qui s'annonce pour vous, mes chers amis Verseau. Donc, vous pouvez être tranquille. Ça sera à partir de quelle date et comment vous pouvez vraiment vous reconnaître dans cela? Ça sera le 7. Vous vous suivez apparemment hein, le 7 décembre. Donc, du coup, mes amis Verseau, à partir de maintenant jusqu'au 7 décembre, ici, il y a une situation qui va chambouler un peu votre vie, mais vous, soyez tranquille parce que vous avez de soutien. Vous avez de soutien. L'on va beaucoup vous protéger pour que, en tout cas, vous ne tombez pas dans ce piège-là. D'accord? Alors, les amis Sagittaire, quelle est cette bonne nouvelle-là qui s'annonce pour vous? Mes amis Sagittaire, que vous devriez savoir. Ok, d'accord. Voilà. Ah, magnifique, c'est bon, hein, la clé. La clé, ouais, enfin, mes amis Sagittaire. Le problème ici, c'est que vous étiez vraiment dans une impasse un peu difficile de votre vie, d'accord? Et puis enfin, on va vous donner la clé. On va vous donner la clé de sortie de vos peurs. Vous allez avoir le courage de sortir, en tout cas, de cette situation. Vous voyez ce que je dis? Il y a une situation ici que vous traversez et vous avez peur vraiment d'affronter cette situation ou vous vous demandez si vous allez pouvoir finalement vous assortir de cette situation. Mais vous serez surpris ici que l'on va vous donner la solution. On va vous apporter la solution pour pouvoir sortir de cette situation et cela vous sera vraiment très favorable. Cela vous sera très, très favorable. Alors ici, mes amis Verseau, mes amis Sagittaire, par contre, on va aller voir. Ouais. Ça peut être même une situation qui vous concerne vous-même. Pour d'autres personnes, c'est une situation de couple. Pour d'autres personnes, c'est une situation de couple. C'est comme si je vous vois ici en couple et qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, d'accord, par rapport à votre couple et vous avez peur de ce que est-ce que ça va marcher. Vous voyez ce que je dis? Vous avez peur de ce que est-ce que ça va se faire. Ou même que vous êtes en couple avec quelqu'un. Vous êtes en couple avec quelqu'un et vous doutez si cette personne, en tout cas, ne vous abandonnera pas. Hein? Parce que là, peut-être que vous soupçonnez qu'il y a une autre personne qui court cette personne ou bien qui tourne autour de cette personne-là. D'accord? Donc, on vous dit ne vous inquiétez pas. Hein, ne vous inquiétez pas, on va vous aider à sortir de votre peur et à vous rendre compte qu'en fait, vous voyez que vous êtes à la bonne place, d'accord? Donc, votre couple va retrouver son équilibre, d'accord? Alors, ici, à quelle date? À quelle date les Sagittaires? Ça y est, 1er décembre. 1er décembre pour les Sagittaires, donc d'ici le 1er décembre, vous allez retrouver votre équilibre dans votre foyer, dans votre relation, vous serez plus inquiet, vous serez beaucoup plus relax, tout va très bien se passer. Et les balances s'annoncent ici avec les balances, qu'est-ce qui s'annonce de positif pour les balances? On va aller voir très rapidement les amis balances. Les amis balances, alors là, ok, la culpabilité et le travail. Alors, la bonne nouvelle qui s'annonce pour vous, mes amis Balance, c'est que d'ici bientôt, vous allez arrêter de vous culpabiliser, d'accord, par rapport à un travail.
ça peut être ici dans votre lieu de travail, il y a quelque chose qui vous intrigue ou on vous accuse, d'accord, de quelque chose. Pour d'autres personnes ici, vous avez eu peut-être à effectuer certains travaux spirituels dans le passé qui étaient négatifs, d'accord, et qui au jour d'aujourd'hui, vous avez peur si cela ne vous rattrape, d'accord. Pour d'autres personnes ici, vous partez pour un travail, pour une opportunité, et vous vous demandez s'il ne faut pas forcément informer quelqu'un, parce que jusque-là, vous n'avez rien dit à personne. Et vous êtes en train de vous demander, est-ce que je dois toujours me taire ou est-ce qu'il faut que j'en parle à quelqu'un? Et si jamais quelque chose m'arrivait là-bas, des trucs comme ça, vous voyez. En tout cas, on va vous aider ici, d'accord, à surmonter cette impasse-là. D'accord, mes amis Balance. Ouais, il y a cette notion de travail qui revient. Donc, vous êtes beaucoup plus d'un professionnel. Vous êtes beaucoup plus d'un professionnel, mes amis. Allez, je vais voir. Ouais, vous êtes beaucoup plus d'un professionnel et cela va vous ouvrir vraiment les portes financières. D'accord? Il y a une très belle opportunité ici qui est en train de s'annoncer pour vous, mes amis. Balance, vous serez gâtés, vous serez comblés, vous serez... ça sera la joie au sommet, ça sera l'ambiance au sommet, ça sera l'amour au sommet. En tout cas, vous serez comblés, je peux vous rassurer, mes amours. Donc ici, financièrement, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Vous allez obtenir une opportunité de travail et vous saisissez ça. Saisissez ça, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous demander jusqu'à quand, arrêtez et puis gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous et saisissez cette opportunité-là. Alors, ça sera à quelle date? Ça sera à quelle date, précisément? Ouais, magnifique, en tout cas, ici, ça sera bien sûr pour le 4 prochain, pour la majorité, mais ici, on vous dit que ça sera, en tout cas, d'ici les 4 prochains mois, d'accord? Alors, donc, du coup, à compter de ce jour, jusqu'au 4 prochain, et jusqu'au 4 janvier, jusqu'au 4 février, jusqu'au 4... avril, mai, tout ça. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la chance, d'accord, de vous patienter jusqu'à au moins 4 mois. D'autres personnes vont trouver cette opportunité d'ici 1 mois, d'ici 2 semaines. Par contre, d'autres, ça va leur prendre 2 mois. Par contre, d'autres, pendant 3 mois, d'autres 4 mois, d'accord? Alors, mes amours, voilà, en tout cas, je vais faire le tout très rapidement d'au moins 4 signes. Je préfère continuer, hein, d'accord? Pas d'autres guidances. Ici, on va aller avec les lions. Et à la prochaine guidance, d'accord, ici, je vais entamer les autres signes. Ne vous inquiétez pas, je vous aime tous. Mais ici, lorsque l'heure avance de trop, c'est plus bien, d'accord? Alors, voilà, ici, les amis lions, qu'est-ce qui vous arrive comme bonne nouvelle? Non, vous dire. Qu'est-ce que ça annonce pour vous comme bonne nouvelle? Waouh! Les amis lions, la bonne nouvelle qui s'annonce pour vous ici, c'est que vous serez guidés. Vous serez guidés, il y aura vos guides qui vont se mettre derrière vous, qui vont vraiment vous montrer le bon chemin, qui vont vous orienter, qui vont vous faire savoir ce que vous devriez faire, qui vont vous faire savoir comment vous devriez vous comporter. En tout cas, vous serez guidé ici dans la bonne direction. D'accord? La bonne nouvelle qui s'annonce pour vous, mes lions, c'est que vous serez guidé, vous serez assisté. On va vous orienter vers la bonne personne pour vous aider. Pour d'autres personnes, vous allez recevoir des messages pour pouvoir aller vraiment vers un changement. D'accord? Il y a un changement qui est en train de s'annoncer pour vous, qui va vraiment annoncer que de bonnes nouvelles dans votre vie. Ici, on vous dit c'est fini. Hein? C'est fini les moments où on a pu profiter de vous, où on n'arrête pas de profiter de vous. Ici, c'est fini les moments où on n'arrêtait pas de vous juger et tout, non? Vous allez passer à autre chose carrément, hein? D'accord? Et puis ici, vous serez guidé vers un changement, vers... une très belle direction, hein, d'accord. Ici, mes amours Lion, il y a la chance qui s'annonce. Waouh, vous serez guidé vers la femme de votre vie. Vous serez guidé vers la femme ou l'homme de votre vie. Waouh. Ici, vous allez finalement retrouver la personne qui vous est destinée.
D'accord. Et vous allez pouvoir vraiment, en tout cas, mieux vous retrouver en fin de compte, parce que cette femme, je la vois assez sereine, assez déterminante. Ça peut être bien sûr toi, la consultante qui est en train de me suivre, qui est vraiment la femme de cet homme-là, qui pourra vraiment finalement te retrouver. On me dit qu'en fait, on me parle d'une personne, d'une femme quand même assez... Ouais, assez béni. Et puis voilà. Ici, dans cette relation, mes amours Lion, on va vous dire ici de faire vraiment trop attention, hein, beaucoup attention, parce que ici, certes, on vous guide vers la personne qu'il vous faut, mais il y aura beaucoup d'obstacles. D'accord? Dans cette relation, il y aura beaucoup d'obstacles, il y aura beaucoup d'attaques, il y aura beaucoup de jalousie, le fait que vous allez finalement retrouver la personne qui vous est destinée. On va vous créer des ennuis de part et d'autre, d'accord? Parce que vous serez très amoureux de cette femme. Je vous vois très, très amoureux de cette femme, très, très déterminé à être avec cette femme. Et puis, d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de réussite ensemble et tout, mais ici, faire attention parce qu'on me dit que ici, il y a peut-être le passé de cette femme qui risque de vous créer des ennuis, d'accord? Parce que là, on parle quand même d'une femme qui a peut-être déjà des enfants, et qui, en fait, ici, peut-être est sortie déjà d'un foyer, hein, d'accord, ou qui est en pleine séparation, et qui a été beaucoup plus aussi dans le célibat ou dans la solitude, et qui, en fait, dans son célibat ou dans sa solitude, elle a vécu des moments difficiles, hein, d'accord, ouais, et qui, peut-être, ont pu lui laisser aussi des séquelles, d'accord. Donc, du coup, vous voyez de quoi je vous parle, mes amours Lion. La prochaine guidance, je vais plus vous détailler votre situation avant de continuer, d'accord. Allez, ça sera à quelle date pour vous, mes amours Lion, pour que vous compreniez. Le 9 décembre, très bien. Donc, du coup, mes amours Lion, d'ici le 9 décembre, vous allez vous retrouver face à face avec l'amour de votre vie, avec la personne que vous désirez au plus profond de vous, mais ayez les pieds sur terre, il y a des batailles dans l'air, il y a vraiment des obstacles à traverser et vraiment rester vraiment ferme, hein, d'accord, et vous verrez que ça va bien se passer. Je vous aime très fort, mes amours, on va donc se dire à la prochaine, au revoir, à la prochaine guidance. Et tous les autres signes, en tout cas, auront leur part de message. Bye bye, à la prochaine, au revoir.